Le bâtiment de la télévision chrétienne CVK a été endommagé en partie par un incendie ce 13 mars à Ouagadougou. À la suite de l'incendie, un bruit d'explosion a été entendu et selon toute vraisemblance, une surtension est à l'origine du drame. Aucune perte en vue humaine, mais des dégâts matériels importants. Sonia Gokti. Ce sont les flammes à la suite de l'explosion qui a retenti aux environs de 12h30 dans le studio de la télévision CVK. Quelques minutes après l'intervention des sapeurs-pompiers, voici l'état des lieux. Il nous a expliqué sur place qu'au moment de l'explosion, une équipe de la Sonabel était attendue pour régler un problème de surtension. De prime abord, je ne peux pas confirmer que c'est ce problème de courant, mais tout porte à croire que c'est ça. Le studio a été touché. La régie a été entièrement endommagée, la régie de diffusion. Donc ce sont les deux grands blocs d'ailleurs, c'est ça que nous utilisons pour nos productions et nos journaux. Au regard des dégâts matériels, impossible de travailler les prochains jours. Mais les responsables de CVK s'accrochent à la fois, reconnaissant de n'avoir enregistré aucune perte en vie humaine et confiant également qu'ils pourront rebondir. En tant que chrétien, croyant, nous croyons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous savons que Dieu a son plan. Personnellement, je crois que la gloire de la maison à venir sera plus grande. Et nous rendons vraiment grâce à Dieu un sentiment de joie de savoir que, avec ce qu'on a entendu là, et pour l'une des rares fois, il n'y avait personne dans le bâtiment. Les travailleurs de cette télévision d'une trentaine d'années, ce 13 mars, au moment de l'explosion, étaient en effet réunis à la chapelle, ils disaient la prière du premier lundi du mois.